Président Martelly voulait rester tout près de la population pour expliquer ce qui est en fait, ce qui a fait Kounia et ce qui a fait. Comme ça, le président de la République là invite à poser la question dans l'émission Président Apkoutéou. Chaque 14 dans le mois, pour causer avec le président Paula, voyez un SMS dans le numéro 828 gratis, chéri. Et puis, le président Martelly a dit comment ça y est. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à nous tous dans la première livraison émission Président Apkoutéou. Vous avez voté un président dans le cadre élection démocratique qui était faite. C'est Michel Joseph Martelly. Il était fort des promesses, il était plein d'engagements. Nous connaissons l'important pour en pile pour connaître qui côté président est dans le cadre de promesses et engagements que vous avez pris. C'est dans ce sens-là, l'émission ça a été soutenue. Son plateforme, côté que vous êtes capable de parler avec le président, poser la question. Est-ce que tout bagage est très bien? Est-ce que dans le cadre d'engagement, tout bagage marche bien? Qui côté, selon vous-même, les corrections que vous avez proposées? Dans le cadre de transparence, c'était pour nous. Les juges bonjour, retournez plus que jamais, tout prêt pour parler avec vous et permettre de connaître comment ça y est. Ou capable de participer à l'émission Président Apkoutéou, ou capable de voir SMS dans le numéro 828, ou capable de faire ça tout sur Facebook, ou capable de faire tout sur Twitter. Président Apkoutéou, c'est à chaque 14 dans le mois, sur chaîne Robgadela, il y a une autre façon pour nous annoncer le changement qui te promet dans la campagne président Michel Joseph Martelly. Bonne émission à tous et à toutes. Salut tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Nous disons bienvenue sur l'émission Président Apkoutéou. Une émission qui met sous pied pour qu'il y ait proximité entre le président et le monde qui a voté lieu. Pour voter réponse à la question que nous avons gagnée pour le président. Format émission, c'est que nous voyons des questions au moins à travers Twitter, Facebook ou bien encore dans SMS 828. Et nous choisissons quelques questions, une vingtaine. Et le président répond à la question à la nation. Est-ce que le président Martelly a quitté nous là pour nous faire un an encore, bien deux ans encore là, sous champ de masse là? Ce n'est pas sous champ de masse seulement que nous avons besoin de retirer mon embattante, c'est tout côté qui est mon embattante. Et nous parlons plus loin. Tout côté mon a vivre dans conditions infrahumaines, conditions qui pas tadoué exister. Nous avons débattu pour nous retirer mon yo en battant. Nous déjà avons un programme qui commence, un programme qui est le 16-6 là, côté que son programme CIRH déjà débloqué 30 millions de dollars pour nous. 30 millions de dollars ça, pour nous retirer 30 000 familles, ou du moins 30 000 personnes en battant, dans 6 camps. Pour gérer le 16-6, parce que nous n'avons pas eu de 6 camps, il n'y a pas eu de 16 quartiers que nous devons réaménager, quartiers qui étaient touchés par tremblement de terre. Donc, nous travaillons pour nous retirer nous de ce champ de masse-là. Il faut dire tout que ce champ de masse-là, pas une dans 6 camps. Mais nous avons un plan tout spécial pour ce champ de masse-là, parce que ce champ de masse-là représentait que centre-ville-là. Et moi, je pensais que retirer nous de bataille de ce champ de masse-là, il tape un signe tangible, un signe vivant de lancement de reconstruction. Donc nous avons un projet pour Champ de Masse là, mais nous n'avons pas un cop pour lui. Le projet ça a coûté 7,7 millions de dollars. Cependant, dans le cadre de continuer à retirer mon embattante, dans tout côté qui vient quand eux, nous avons bien avancé. Et au cas où elle a doucement, c'est parce que tout simplement, je nous fais là,
nous pas en bay moun nan kòb pour le sortir en battant là. Parce que moun tap pran kòb là, l'état pa l'entrée, l'état pa le fond l'autre temps. Donc ça nous fait nous identifier des cailles pour moun yo que nous louer ou bien encore nous réaménager quartier côté moun sa te sorti. Donc c'est comme ça que n'a pas avancé. Ou ka wèl 12 points, mais n'a bien avancé. Dans 4 jours pour nous faciliter moun gen meilleur habitat, pas oublier nous avons un projet qui est en cours là déjà, qui est de 400% dans la zone orangée, côté 400 cailles qui déjà bâti. Nous avons notre projet en bas mon cabrit, côté que le projet a incessamment fallu commencer. Il y a des appareils qui commandent, que compagnie qui a fait travail a commandé, qui a privé fin mois, et nous faisons connaître que quoi appareil arrivé à commencer, construit 3000, plus passer 3000 cailles en bas mon cabrit. Donc, l'autre bagage qui gagne encore, nous connaissons ce programme, Tika et Pam, non? Qui permet que les gens qui ont travail, et qui habitent en battante, ou qui ont droit d'entrer dans le BNC, ou qui ont droit d'entrer dans le BPH, et pour demander information sur le programme Tika et Pam, non, son programme qui fait tout ça, pour aider un haïtien, un abri, un caille décent, bien sûr. Selon Valé Kob, qu'on gagne, c'est selon Valé Kob que vous avez tout. Ça, c'est pour répondre à la première question. Président Matéli, est-ce que vous comptez établir la mer à tout bon vrai? Nous campons sur la question de faire une force qui doit camper là pour jouer le rôle de MINUSTA, qui est composé de Haïtiens, de jeunes garçons, de jeunes filles haïtiens, dans le but pour nous faire une formation. Nan but pour nous bailler un travail, parce que nous n'avons pas de création d'emploi. Nan but pour que le travail ministère continue à fait. Donc, nous obligés de camper sous même mouvement. Oui, oui, nous avons mis sous pied force de défense. Est-ce que l'après de l'armée d'Haïti? Est-ce que l'après des forces de défense? Est-ce que l'après des gendarmeries? Est-ce que l'après des gardes nationales? N'a pas parlé sous ça après. L'essentiel, c'est que le président Matéli, qui comprennent la nécessité pour ne pas force par nous et qui sentit tout que, à travers deux, trois erreurs que le ministre a fait souterrain et qui cause que la population a montré mécontentement, il est impératif, justement, pour nous commencer le travail à mettre sous pied force de défense de telle sorte que le nous gagne. Jeunes soldats, jeunes officiers nous parlent, nous avons invité le ministre pour une retraite dans le travail que l'affaire, qui c'est le maintien de la paix dans le pays. Nous avons dit merci pour le travail à faire et nous avons continué en assistance tous les amis, tout le pays d'Haïti, que c'est une assistance technique, que c'est des idées, que c'est une forme d'accompagnement, nous mettons sous pied force ça. Parce que là, nous faisons ça, on a abordé plusieurs sujets à la fois. Premièrement, en plus, on a demandé le départ de la ministre, l'APCA fait. Deuxièmement, on a parlé de création d'emploi, l'APCA fait. Troisièmement, du bon sens de responsabilité à travers formation, éducation que les jeunes nous prennent. Ils viennent plus responsables, ils ont une éducation civique, ils ont une formation pour faire travail, ils viennent des professionnels. Et puis tout, il y a qu'à impliquer avec un pile et engagement. Dans le travail que vous avez pu faire, protéger les frontières, protéger les côtes, protéger et l'espace aérien, au moins contrôle sous l'île, venir en aide à la population, les gains une catastrophe naturelle, un désastre, ou bien encore, rôle ministère, le maintien de la paix, de l'ordre au pays. Donc, dans ce sens-là, on a continué. Et nous croyons que c'est un vœu de toute population, hein. Bien entendu, pour les gens qui ont un mauvais souvenir de ce qui est la mer. Je dis que vous n'êtes même obligé de changer la mer même. Vous pouvez bien changer le monde. Des fois, vous pouvez changer la vision, hein. Vous pouvez changer la mentalité, hein. Vous pouvez changer l'attitude, vous pouvez changer la politique. Là. Et au cas où il y a un changement quand même. Mais nous ne pouvons pas parler du passé. Ce qui a été fait. La mer nous a été démantelée. Donc, nous avons travaillé pour nous mettre une force sous pied qui pour mettre l'ordre, garantir l'ordre, la paix dans le pays et qui pour faire un travail parallèle mais du même coup complémentaire au travail de la police.
Ça va bien dire que on va oublier la police là. Ça va bien dire que nous va continuer à renforcer la police là qui déjà besoin effectif qui plus haut que ça le gagne dire qui besoin plus moyens, plus logistique. Troisième question que nous posez moi c'est comment allez-vous considérer l'agriculture? C'est-à-dire quelles sont les mesures en marche vu son état, l'agriculture. L'agriculture, c'est une façon que nous gagnons pour nous éradiquer ça, la famine, la faim, grand goût. L'agriculture, c'est une façon, un moyen que nous gagnons pour nous barrer grand goût. L'agriculture, c'est une façon de gagner pour nous mettre monde au travail. L'agriculture, c'est une façon de gagner pour empêcher les gens qui étaient provinces, qui étaient terre, côté où ils travaillent la terre, pour aller chercher un job dans une grande ville. L'agriculture, c'est une façon pour combattre ça, l'insécurité alimentaire. L'agriculture, c'est une façon pour qu'un pays ou boisé ou qu'a fait agriculture, même en montagne. L'agriculture, c'est une façon pour rentrer l'argent dans un pays à travers les exportations. Si vous cultivez ou produisez, par exemple, du sucre, du riz, vous en avez à l'extérieur. Donc, l'agriculture, c'est une priorité, surtout que je suis sous la réponse paysan, mais c'est une nécessité que nous devons faire priorité, attacher importance à lui. Qui ça nous peut le faire? Nous avons une équipe d'experts, moins grande vision, mais nous avons une équipe d'experts qui mettent un plan sous pied, et c'est ça qui fait depuis longtemps, nous attendons le gouvernement pour nous commencer à passer au travail. Mais quelques points importants que nous avons relevés pour vous déjà, ce sont par exemple, ça a incitatif là, encourager les gens à tourner le travail à la terre, encourager les gens à prier en grès, chaque fois que je parle de lit, côté monde planté, me réaliser son gros problème lié dans le pays. Il faut nous faciliter planteurs, paysans, pour vendre un engrais à un prix abordable, un prix qui fait sens, qu'il a payé là. Deuxième bagaille, nous voulons que planteurs nous commencent à servir avec les outils modernes. Les outils modernes, ça veut dire grand appareil qui gagne à travers le monde. Tap fait culture qu'on y a. Longtemps nous t'es planté avec roue, avec manchette. Nous bon, vous dire bon façon pour faire les poules plus productif. Parce que l'important pour travailler à faire, pour pas coûter autre pauvre, pour arrêter en compétition avec l'autre monde qui a fait le même travail là. L'autre bagaille nous avons fait encore, c'est mettre sous pied une banque de crédit agricole. Une banque de crédit agricole et nous aborder les banques de l'État déjà dans ce sens là. Pour dans quelle mesure on a commencé le travail pour nous permettre que les gens qui travaillent la terre, qui ont l'argent prêté tout. Et dans ce sens-là, je crois que le dossier a avancé. Lorsqu'on fait l'agriculture, lorsqu'on a récolté dans la main, on a fait l'agro-industrie à tout côté que disons que vous plantez des oranges ou qu'on a mis on usine dans la zone, nan, on fait confiture aux oranges, on fait des oranges sachées, des oranges séchées, on voyager à l'étranger, on crée un emploi, on prendre l'argent. Donc, nous visiter avec deux, trois investisseurs déjà, par exemple, zone qui est les Savandianes, côté le monde ça va parler de planter maïs, ça c'est une. Il y a l'autre monde que nous rencontrons, l'autre investisseur qui est intéressé, vini, pour recommencer à faire sucre dans le pays, hein, qui t'a impliqué que nous recommençons à entrer dans planter canne en grande quantité. Ce sont des projets, bien sûr. Mais tout support que nous devons porter à projet ça, nous avons travaillé sur eux, ensemble avec investisseurs, nous rencontrons eux, nous voulons mettre ensemble avec eux, de telle sorte que nous permettons que relance agricole la fête. Son forme de dépendance que lié. Le vent tout, pas dépendre de ça, voisin, ça, ou l'autre ami a produit, les dépendre de ça, ou gagne la caillou. Son forme d'indépendance, nous quoi la donne, et n'a pas avancé. Moi, t'es attaché en priorité à la rentrée scolaire, parce que le territoire, la priorité des priorités. Mais une fois que
on dit jour fin passé après la rentrée hein? Nous gain des équipes moi-même personnellement voilà assurer que l'équipe qui travaille qui a commencé entrer en application pour nous avoir un résultat pressé et le résultat ça n'a pas commencé à sentir tout dès que nous prenons contrôle gouvernement parce que le gouvernement sont des outils en plus que nous gagnons pour nous gagner contrôle une série de dossiers tels que par exemple dossier en guerre. Pour qui ça président pas changer magistrat communal yo pendant que mandat yo fini longtemps. Son question que nous joignons à plusieurs reprises et que nous répondons à plusieurs reprises tout. Magistrat communal yo, ce sont des élus du peuple. Le peuple a voté yo. Et le fait que nous trouvons un problème politique dans le pays à l'élection pas faite. Attends, qu'on y a un mandat yo fini, élection pas faite. Président gen apparaît qui changer le magistrat. Dans qui but? Dans qui but? La tendance voudrait que vous remplacez un élu par un élu. Cependant, dans la zone côté que nous réalisons que le magistrat n'a pas fait travail, ou bien gon incompétence, ou bien encore population pas satisfaite, n'a pas intervenu. C'est dans ce sens ça que nous avons dit que il y a deux côtés déjà que nous avons intervenu. Une là, c'est au Cap. L'autre là, c'est Dame Marie. Nous avons travaillé pour faire des changements dans deux villes. Et bien sûr, chaque autre côté que nous identifions, que nous devons intervenir pour garantir bonne marche, toute institution dans la zone, pour nous suivre que l'État porte service à la population dans la zone, qui c'est priorité, nous, nous pouvons intervenir. Autrement, l'autre côté qui a bien marché, n'a pas permettre que le magistrat communal ait changé pendant l'élection. L'autre question que vous posez, le président Matéli, qui j'en prends le fait pour bien manger dans le pays en quantité, pour nous vendre notre pays. Bon, nous avons dit que je m'aborde des questions ça déjà. Pour nous manger en quantité, premièrement, c'est produit pour nous produire. Produit, cultiver. Planter. Planter, nous avons des terres. Nous avons motivé les gens. Motivé les gens. Nous avons une chose que je pas dit, c'est un aspect agriculture. Une chose qui a motivé les gens. C'est là qu'on connaît que là qu'on planté. Ça, qu'on planté, qu'on a vendu. Qu'on a considéré le travail en tant que l'argent déjà. Parce que l'important, des fois, nous avons des marchandises en main, nous avons coulé. Donc, dans ce sens, nous pouvons travailler avec. Programme cantine, par exemple, pour qui gens nous consommer produits locaux. Nous allons faire aux gens que nous priorisons sur le marché à produits locaux, que nous baillons avantage à produits locaux. Et l'on fait ça, qu'on y a une demande, qu'on y a planteur pour planter plus, n'a cultivé plus, agriculture n'a une plus florissante. Et le ça, vous arrivez, côté de notre palais là, pour nous avoir manger en quantité, côté que ce qui est fait la gain, non seulement nous avons exporter vraiment, rentrer l'argent, ça c'est une. T'as oublié de parler de gain manger sur place là, pour combattre la famine. Et ça c'est mon autre. Et mon troisième aspect, aspect côté que seul j'en prie aux marchandises qui a baissé, c'est si gain en quantité sur le marché là. Donc, non, motiver les gens, faire un pile de monde planter, faire un pile de monde marchandises en amène. Le marchandise en amène, nous conseillons de gagner la quantité. Prix a baissé. Prix a baissé pour qui est-ce dit bon. Je ne peux pas ici. Président MTK, est-ce que c'est un parti politique? MTK, mouvement tête calée, n'est pas un parti politique. Ils sont un mouvement social. De grande envergure, ça veut dire son mouvement qui couvre tout le pays d'Haïti. À travers le mouvement, ça va permettre chaque Haïtien impliqué. Chaque Haïtien capoter soit un coup de main, soit un leader, soit porter l'argent par eux, soit porter produit par eux, soit prendre un autre frère lit, soit prendre un autre monde écrit, soit prendre un autre frère karaté, etc. C'est un mouvement important.
côté que lui rassembler en équipe, apprendre vivre à l'autre et pour créer un impact réel. Le programme nous est différent dans MTK, côté que sur le long terme, bon 4 MTK, selon compagnie qui fait alliance avec nous, ou quand entrer dans un côté ou acheter, et puis leur monter 4 là, ou gagne 10% rabais, que c'est sous manger, ou bien si c'est sous gasoline, ou bien c'est dans ce sens de avancer, ou voyager, ou gagne un rabais sous ticket. Donc MTK voulait un mouvement qui d'une grandeur incomparable par rapport à l'autre mouvement social qui gagne dans le pays. Parce que ces mouvements, population liée, tête calée, vini un slogan, confiance là, l'inan, équipe tête calée, tête calée a voulu délivrer, moun yo voulu marcher à tête calée. Donc nous créons un mouvement pour mettre tout le monde ensemble, pour justement, j'aime de qu'on dit, camper derrière une série de projets, plus on gagne un monde camper derrière une série de projets, plus nous allons avancer. Et dans ce sens, nous avons bien avancé, il y a un pile. Organisation qui voulait supporter, mais là encore, m'a évité d'entrer dans le détail. Mais est-ce que c'est un parti politique? Non. Quelle disposition va prendre pour renforcer la diplomatie haïtienne? Faut me dire que moi pense que j'ai un peu de chance que la diplomatie haïtienne est revenue directement du président de la République. Parce que moi, j'ai une vision. Une bonne vision. Une bonne vision sur Jean pour présenter Haïti à l'étranger. Une bonne vision pour Jean pour gagner une relation, pour entretenir une relation avec l'autre pays. Une bonne vision qui fait que nous allons renforcer confiance nous à travers la diplomatie. À qui Jean? Non, suspendre demander. Non, proposer plutôt que investisseurs entrent créer emploi. Ça a plus bon que leur fort cadeau problème. Nous avons une relation humaine avec l'autre pays avant que nous défendions intérêt ou bien avant que nous allongions couille. Nous avons campé fièrement pour défendre le pays ou pour dire que c'est une plus belle pays qui est sous la terre. Donc à travers la diplomatie, on va commencer à faire le nouveau branding pour Haïti. En Haïti, que vous avez par le passé, tant qu'on pays. C'est problème seulement gagné, c'est malaise seulement privé, c'est tête chargée seulement, bouleversement de capoté. Moi, je dis, c'est pas vrai. Tout côté me vire, me dit, Haïti a un problème, ni même j'en pile pays, il y a un problème. Mais Haïti a une richesse, lui. Haïti a une possibilité, Haïti a une opportunité que le cas offre l'autre monde. Haïti, son terre qui a une opportunité. Un monde qui a gardé problème courant pas gagné là, et pour qu'on plaigne, on peut crier, on peut comprendre, parce que c'est une victime. Non? Chef d'État a dit qu'il ne va pas crier devant paysan mio, il va le crier devant bailleur. Il va le dire, nous avons une belle opportunité là que nous avons offert. Si vous avez qui font une énergie alternative, venez essayer éolienne en Haïti, venez essayer biodiesel là, venez faire un barrage, ou bien encore, venez monter un réseau si vous pouvez, et puis ben nous courons. On va faire comme nous, l'État fait comme nous, on va payer les taxes, nous gagnons courant. Donc il ne s'agit pas de vendre Haïti tant qu'on tout désespéré. Et vous pensez qu'on va pas tirer le monde, pas du tout. Donc moi, content que mes responsables de diplomatie, hein, nous pourrons renforcer les liens avec les pays amis. Ça qui était inexistant, bien très faible, nous pourrons rapprocher de eux. Parce qu'il faut être à l'air du globe. Ou pas qu'on paye pour cacher nos petits coins encore. Ça ne se fait pas comme ça. Population là, depuis le internet, il est en contact avec n'importe qui est, n'importe qui bosse sous la terre. Donc il faut relever Haïti et le mettre à l'ère mondiale. Pendant qu'on a fait promotion pour businessmen étrangers qui investissent dans le pays, businessmen haïtiens à plein ou pas jamais occupé. Ça, on a dit dans ça. C'est une opinion que le businessman a gagné ou bien qu'a voulu projeter. Parce que là, dans le palais, nous rencontrons tout le monde. Nous rencontrons businessmen, nous rencontrons petits entrepreneurs, nous rencontrons artisans, nous rencontrons musiciens, nous rencontrons Red Cap,
qui travaille à l'aéroport. Nous rencontrons tout le monde qui a porté bagage dans l'aéroport. Donc ici, nous rencontrons tout le monde. Et je pense que m'accorder une importance particulière à investisseurs qui cassent l'autre boyo. Parce que nous-mêmes, par le passé, nous manquons dans développer le pays économiquement. Nous manquons dans investir tout partout. À travers le pays, bien sûr. Donc, on y a pensé que lorsqu'il y a des businessmen étrangers qui ont entré ici, il y a fait partenariat, il y a marre collé avec businessmen haïtiens, il y a fait un gros business. Je pense que lorsqu'il y a entré, il y a fait partenariat avec l'État, il y a fait un gros business. Il fait plus de job, il fait un bagage en plus. Parce que, quand vous voulez pas vouloir, le secteur privé haïtien, il a une importance capitale. Est-ce qu'à lui seul, il a apporté le développement économique que nous avons besoin? Est-ce qu'à lui seul, il a refait le pays d'Haïti? Oui. Ça te manque déjà. Qui ça te manque qui fait votre confette? Moi-même, moi, là, je m'accompagne, secteur privé, businessman, moi, là, je garantis l'investissement, moi, là, je m'accompagne pour continuer à investir, mais moi, là, tout, pour me porter, pour me faire des propositions, et pour me porter de nouveaux investissements, pour me créer emploi. D'ailleurs, là, en Haïti, vous voulez faire un business, bon, que pas prêter au corps, vous besoin de prêter, non? Bon, pas bien prêter, oui. Mais pour développer un besoin en Haïti, mon corps n'est pas besoin de prêter. Et ceci, quel que soit mon nourrir, parce que y a mon qui est un corps là, mais quel que soit mon nourrir, parce que y a de montants que banque là lui-même n'est pas responsable. Donc, pour qui ça pour ne pas mener l'autre monde, pour qui ça pour ne pas même ouvrir à ce que nous gagnons, l'autre banque qui a venu, qui a prêté quoi, qui a prêté gros quoi, ou bien encore qui a bien avec des programmes, côté que qui a prêté petit quoi d'où. Donc tout ça est à voir, tout ça est à étudier. On ne peut pas favoriser un secteur sur l'autre secteur. On ne peut pas détruire un secteur par rapport à un secteur. Faut me faire un genre pour mettre un mouvement d'ensemble. Côté que l'homme mette tout secteur honnête, il y a une place que vous voulez.